got no fear and I won't be wrong. You're the greater thing and I'll build my life. Be my baby tonight. Be my baby tonight. Be my baby tonight. Be my baby tonight. À la peau pendant pas mal d'années et qui en fait n'a pas vraiment de sens direct avec, avec notre musique, mais en tout cas l'origine du mot c'est vraiment une scène new-yorkaise de gens qu'on connaît très bien, qui sont des amis à nous, et ça n'a pas vraiment de sens musical à part le fait peut-être que l'importance est mise sur le songwriting, l'écriture, enfin que le texte a de l'importance, voilà. Je dirais, on est un duo de rock'n'roll. On écrit des chansons de rock'n'roll. Il y en a beaucoup qui ont été citées. Je retiens Harry Belafonte ou Bob Dylan. Il y a beaucoup de gens qui disent Neil Young. Effectivement, c'est des gens qu'on aime beaucoup. On aime aussi les Beatles, par exemple. Ça nous fait toujours plaisir de les écouter. Des influences inédites. Moi, je m'influence pas mal du travail du cinéaste Alfred Hitchcock. Herman Dunne aime beaucoup les années 60, on aime ça. Et, pas forcément pour reproduire, mais ça fait partie de notre nourriture. Ouais. Donc, c'est avec ça qu'on grandit. Ouais. Ouais, je pense qu'on a des références effectivement assez évidentes dans ce domaine et que je pense que ça s'entend dans notre musique. C'est sûr qu'on ne cherche pas forcément un nouveau son. Enfin, on a une certaine manière d'expérimenter la musique, mais elle ne recherche pas forcément la nouveauté dans l'expression sonore. Je pense que ça, c'est sûr, de ce point de vue-là, on est peut-être classique. Ouais. Ce que je trouve magique, moi, dans la création d'une chanson, c'est que c'est dur, justement, de recomposer le processus. Et une chanson peut partir un jour d'une mélodie et un autre jour d'un mot. Un jour d'une image, un jour d'un accord, un jour d'un rêve. La chanson, elle se compose de tout ce qui passe par la main et on attrape au vol des idées, des inspirations. Et c'est ce qui fait la beauté de la chanson, c'est que il n'y a pas de recette. S'il y avait une recette, ce serait peut-être moins charmant. Et on peut faire un album très, très pur, avec très peu d'ornementation. On peut faire un album très baroque avec beaucoup d'instruments qui enrichissent les mélodies. Et je pense que ça peut partir du même jet créatif et après c'est deux volontés différentes sur la forme de la chanson. On peut choisir un jour de faire une petite silhouette toute simple avec juste deux yeux et deux trous pour le nez et puis appeler ça un portrait. Et un autre jour faire un truc très proche des portraits hollandais, très précis, avec chaque cil, chaque ride. Et c'est deux choix différents, mais peut-être pour exprimer une même pulsion artistique, je pense. Je pense qu'avec Herman Dunne, on n'a jamais essayé de faire un album en fonction du précédent, ni en réfléchissant à celui qu'il y aurait après. On fait chaque album séparément. On enregistre ce qu'on a envie d'enregistrer au moment où on le sent et au moment où on a l'envie de faire cette musique. Après, je pense que tout ce qui est analyse des circonstances et des raisons, ça, c'est plutôt, comme tu le disais, l'affaire des blogs et des journaux. Mais nous, on fait notre musique comme on l'entend, en fait. Je me souviens de journées où je pouvais me lever le matin, m'asseoir à mon bureau et travailler sur une chanson toute la journée. Et c'était un plaisir que je n'avais pas connu depuis longtemps, à force de tourner incessamment. On aime bien, aussi bien Neyman que moi, avoir un beau disque. On aime tous les deux le dessin et on aime les textes. Donc on aime avoir le tout disponible dans un objet, si possible beau et travaillé. On aime bien ce qui est travaillé, ce qui prend du temps à faire. Et comme on travaille sur la musique pendant un an à peu près avant d'enregistrer un album, on aime bien donner beaucoup de temps aussi à la forme que le disque va prendre. J'ai l'impression que dans certains pays, la langue a comme une portée politique. C'est-à-dire que comme si c'était un choix politique de choisir une langue pour écrire ou pour chanter. Moi, je vois ça comme un choix artistique et un goût esthétique et de sonorité.
et de mots qui sont adaptés, et puis un respect pour l'histoire de la musique que j'aime, tu vois. Je pense que, comme disait Neyman parlait de Gainsbourg, je pense que si Chuck Berry avait chanté en français, peut-être qu'il y aurait beaucoup de gens qui chanteraient en français. Mais nous, on aime le rock'n'roll, on chante en anglais et on n'y voit pas de problème. Et on, c'est pas du tout une espèce de position politique qui est, ou géopolitique sur le pouvoir des pays anglo-saxons sur l'Europe qui ne parle pas anglais. C'est vraiment artistique et donc il n'y a pas vraiment de... faut pas y voir un plan machiavélique. My, lay your head.